Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, démerdez-vous. Allez vous faire foutre, moi j'ai ma tasse à café. Pff, rien à foutre. Voilà. Fin de l'épisode. Des bisous YouTube. Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Satisfactory avec le très beau, l'incroyable, le liégeois, l'alcoolique, que dis-je, le belge. Donc. Bonsoir Farina. Bonsoir. Salut. Donc voilà, j'ai eu le temps de bosser un peu sur le projet des Avengers. C'est incroyable, c'est complètement ouf. Et du coup, bah c'est incroyable et complètement ouf. On voir à quel point ça ressemble à rien. Quoi? Toi, ça va? De la méchanceté gratuite, là, c'est pas de ça. Oui, c'est pas joli. On va avoir un ticket. Un ticket. Incroyable. Et on n'a pas fini. On aura un ticket et demi avec un peu de chance. Donc voilà, j'ai commencé du coup en off avant de penser à relancer la vidéo. En fait, j'ai commencé, comme vous pouvez voir, on a commencé à bétonner, raser la nature, faire du ticket. On a pu acheter quelques conneries ici et là. Et donc voilà, on va partir sur un petit kraken de charbon. Évidemment. Un réseau charbon. Qualité, hein, si on peut dire, ça paraît pas mal, hein. Tout du moins, on peut dire que c'est inspirant. Ouais, tout du moins, c'est pas trop dégueulasse, quoi. T'as pas dégueu? Imhotep, ça va, si tu préfères. Ah, bon, si Imhotep, ça va alors. D'ailleurs, je suis en train de me dire, là. J'ai oublié ça. Ah mais il faut se mettre un double escalier en colimaçon en fait pour arriver là quoi. Vraiment. C'est un foutage de tête, on perdra la rampe. La rampe c'est bien. Quand je fais le B. Ça c'est cool. Donc moi là, ce qui m'intéresserait c'est de tirer un charbon au centre ici. Et bah moi je vais faire ça comme un sac en pylône. Voilà. L'électricité pour bientôt ou pas? L'électricité on pourrait déjà j'ai plus de tige, mais on pourrait te brancher ah oui, ça oui. On pourrait se brancher au réseau incessamment sous peu hein. En fait ouais. Expliquer ce que je vais faire. Autant dire que je fais des conneries. Mais... Explique-nous. Des conneries, en fait. Je suis parti chercher une catégorie à l'autre bout de la terre. Ok, alors attends, je t'entends plus, ouais, je vais pousser ton bruit. Parce que là, avec la grosse machine à côté, je t'entends plus, mec. La grosse machine. Ouais, voilà, la grosse machine. Donc là, c'est bon, t'entends à fond, là, y'a plus de soucis. Vas-y, vas-y, fais péter. Je fais péter. Du coup, je disais que j'ai été chercher du catérium loin pour faire plein de filaxies. Pour les foutre pour aller les foutre dans un super broyeur. Mais du coup sans électricité ça tourne pas quoi. Ah c'est embêtant ça. Ah bah ouais quand même un peu. Je sais pas à quel point c'est embêtant mais je pense qu'on peut dire que c'est embêtant. Bon, je vais t'amener tout. Ton béton, tes tiges, tu vas faire ce que je veux. Bah écoute, moi j'ai rien contre le fait de te donner du courant électrique hein. Je n'ai absolument aucun problème avec cela. Bien qu'attends. Ah, mais en fait, je peux avoir le. Ah, mais j'ai plus de béton en fait. Donc il me faut du béton en fait. À un moment donné, j'arrive. Je cours. Il se raccroche à la vie. Hein. C'est vraiment impressionnant quand il fait ça. Et d'ailleurs. Et là, c'est moi qui m'entoure. Voilà, exactement. Et en fait, ça, tu me sers à rien. Je vais te retirer à partir de là. Jusqu'ici. Et en fait, je vais. Ouais, je vais caler. Double poteau, alors ça c'est du génie hein, le double poteau. Hein. Mais j'ai pas assez de tiges. Je vais recycler un truc. Hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Et voilà. Et regarde. Regarde tout ce qui vient d'apparaître là, c'était. Oh bah c'est magnifique ça, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Hop, regarde. Et tu vois ce petit poteau là, il a l'air de rien. Mais lui là, c'est la vie. Enfin, j'espère. Reste à prouver.
Ça met deux, tu peux mettre deux câbles quoi à la place de quatre. C'est ça, mais de chaque côté, et j'espère que c'est Walid. Ah oui, par contre, du coup, il va me falloir un poteau central. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je mûre. Je mûre, j'arrive. Je mûre et j'arrive juste après la pub. Hein. J'ai hâte de te dire que ça va pas fonctionner ce que tu fais. T'es sûr? Parce que oui, c'est pas raccordé jusqu'au bout, oui, je sais. C'est ça que tu veux dire? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas fonctionner parce que les deux poteaux sont pas cotés. Ils se tiennent pas la main. Mais pourtant, quand tu le cibles, tu vois ce que je veux dire? Quand tu le cibles, en fait, il te le garde, il te considère que c'est une seule et même entité. Ouais. Quel que bon, soit on verra bien. Dont tu le branches. C'est pour ça, on va tester, on va voir. On va voir si ça valait son investissement ou pas. T'as coûté combien de tickets? C'est pas très cher. On rappelle, ça devait être un ticket, je crois. Un gros ticket, quoi. Mmh. Allez, un gros ticket. Un gros ticket à. Un gros ticket, quoi, pas plus. Ok, alors, super magasin. Que je peux en construire. Alors, il m'a coûté combien ce gros ticket là? Alors, il y en a là-bas, super magasin. Combien il m'a coûté ton ticket de mort? Équipement, yes, organisation, véhicule, fondation, accessoires, mur, est-ce que je demande pas mur, accessoires, le double ticket, le quadruple ticket en fait. Non, on est sur 4 tickets. On est sur 4 tickets là quand même. Tiens, bah regarde, branche le toit, tu vas voir. D'ailleurs, attends, je vais le déplacer. Je vais le déplacer parce que je vais essayer de voir si on peut le caler dans l'angle ou si ça compte en glitch. Si je peux pas remettre, genre. Si je peux pas remettre un mur par dessus, c'est ce que je veux voir. Vas-y, connecte-le toi pendant ce temps-là. Si tu peux vérifier. Mais je vois bien que ça fait une entité, mais quand même. Oh, on peut l'escroquer. Formidable. J'ai escroqué un mur. Tristé, monsieur. Oui, mais ça va, ça arrive, ça arrive. Arrête de pleurer, Bartoli. Bon, je le mets là. Qu'on a passé la bonne grosse passé coup, là. Oh là, magnifique. Le gros pénis. Waouh, ce que tu nous as fait là, il est. Oh, il est beau. Hein. Oh, je le garde comme ça, je savais pas comment le placer, mais là, il est validé. Hein. Oh, mais c'est mal fait ça. Mais tu sais que t'as très mal coupé ton charbon. Comment ça, j'ai très mal split mon charbon? Pardon. Pardon, je viens vous le dire en fait. Mais vous avez coupé ça en 3. Donc, je sais pas, imagine ça fait 60, t'en as coupé en 20, et puis là tu recoupes en 2, du coup ça fera 10 et 10. Bah oui. Ah ok, ça va. Mais t'as pas le choix en fait. Ben. Ou alors tu coupes, tu fais comme j'avais fait, c'est ce que je disais en fait à la base quand on avait rien à péter. C'est ce que je disais, c'est soit je coupe comme j'ai fait pour la plomberie, c'est-à-dire que je fais un tapis qui vient au milieu et je sépare en deux séparateurs, mais ça change rien, ça fait quand même que t'as une pointe qui finit à 10. Qui finit sous-alimenté, sauf que là, au lieu d'avoir deux pointes qui sont sous-alimentées, j'en ai qu'une. Ouais, possible. Voilà. Et de toute façon, je te rassure, on est en gisement pur, mon gars. Je peux aligner 8 merdiers par machin. Bon, bref. Pendant ce temps-là, tu m'empêches de travailler, tu n'as pas ton courant électrique. Mais moi, ça me va. Hein. Oh, on peut poireauter comme ça, t'as pas ton. On va attendre très longtemps, mais ça me dérange pas du tout. Hein. Yes, ma main. Hein. Mm-hmm. Ouais, je vais incroyable. Mais là, je suis déçu là. Non, là, je suis choqué. Tu peux pas. Si, je peux, mais je suis choqué. Donc, c'est bon. Ah, ça c'est pas un beau tournant, ça. Yes, exactement. Ce tournant n'était pas bon. C'était refusé. Ça a été refusé par la direction instantanément. Et, par contre, si tu continues à me gêner, je vais pas pouvoir brancher mon réseau. C'est pas joli, hein. C'est pas. Ah oui, mais je vois ce qui cloche. Ok. Non, mais tu n'auras pas de courant tant que ce virage ne sera pas magnifique. D'accord ? Non, ce virage sera magnifique. Voilà, la courbure sera parfaite.
ou rien du tout. Je suis sur logistique si vous voulez. Le pylône. Du coup, ce qui nous intéresse, tu peux cliquer. Tu sais que tu peux cliquer pour faire des beaux ronds, des beaux cercles. Ah bon ? En gros, si tu mets un. Mais je sais pas si tu peux le faire depuis un truc comme ça, mais mets-le au sol, clique. Ah tourne. Oui, il faut que je pose une tourette mûche comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, ouais. Et encore, ça me fera pas un. Ah, mais c'est parce que là, tu vas pas en face, il faut que tu fasses en face, tu tournes et puis tu retournes. Non, il faut que je fasse, ouais, il faut que je le place comme ça en fait, je crois, tout bêtement. J'ai l'impression que je le place comme ça, et je crois qu'il va me faire mon truc. Ah, ça reste dégueulasse. Non. Ça reste dégueulasse. Fais ça n'importe comment. C'est du V2 de le poser là. C'est du V2 C'est du V1. Bah alors attends, je sais pas. Tu bouffes tout le. Voilà. J'ai jamais de matériel pour travailler moi. Mais ouais, c'est ça. Allez, plains-toi. Pendant ce temps là, je te marque dessus. Le mec il veut du courant, mais enfin il me donne pas les moyens quoi, super. Non, on va te marquer dessus. Grosse mentalité. On est raccordé en charbon. On est raccordé en charbon, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, mais mur. Hop. Un mur. Il appelle ça un mur lui. Oh, tu fais les murs. Je veux du courant, pas des murs. Il y aura des murs avec ton courant parce que ton courant il est sur les murs. Dégage de là. Tu m'empêches de poser les murs et donc d'avoir du courant. Oh, vas-y, hein. Vas-y, amuse-toi. Vas-y, amuse-toi, gamin. Ce temps-là, t'as pas de courant. Dépêchez-vous, monsieur. Non, je sens que la session se coupera avant que j'ai le temps de mettre mon courant. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Du coup, je peux même pas vérifier si. Super, on va être obligé de poser ça comme des sacs. Super, ça fait plaisir. Je devrais te mettre des doubles. Quelle créature sauvage intéressante. Ce garçon est un sauvage. Comment ça dit c'est sauvage? Ville créature. Voilà, boule de potal. J'ajouterai du potal plus tard. Vas-y, raccorde. N'endors pas, ma grosse. Raccorde. Et temporairement, et je dis bien temporairement, t'auras une chute de courant un jour. Ouais, mais tes potales ils accueillent que deux câbles, bordel. Alors, du coup, je peux pas brancher le reste. Comment ça? Bah, ouais, mais là, je peux brancher qu'une seule usine. Ah, tu peux brancher que deux là-dessus. Ah, non, tu fais de la merde. Je peux tirer un câble. Ah, bah, moi, du petit, je peux. Du petit ici, je peux. Pourquoi tu dis le contraire avec l'enfant? Pourquoi t'es un débilus? Non mais déjà, attends, déjà, t'embête pas, faut que je finisse d'en faire courir sur tout le mur là, parce que toi t'es un sauvage, mais moi pas, donc bah là ça va, c'est raccord là pour le moment. Pas comme un sauvage, tu me raccordes ça à chaque bah fois, oui. Et normalement par petit poteau t'alignes deux machines. Bah oui, mais c'est ça, yes. Et ben c'est ce que j'avais fait, non mais c'est vous le sauvage. Non mais fais ça bien. C'est vous le sauvage, je comprends. Voilà. Je comprends rien et il me dit que c'est autre chose. Et donc formidable, j'ai mon espace final. Très bien. Je passe derrière une machine, on se crade avec même la tasse de café. Très bien. Électricité, électricité. Bah électricité quoi? Quoi électricité? Je suis pas sûr que ces machines là soient raccordées hein. Ouais, hein, tout ça c'est pas raccordé hein. Oh, on peut raccorder ça hein, mais ça va être raccordé à la sauvage hein. C'est-à-dire qu'un jour, t'auras une coupure de courant. Ça, j'aurais tes responsabilités. Laisse-moi le faire, hein. Pleurer. Laisse-moi le faire, hein, si c'est pour qu'il fasse des coupures de courant. Non, mais c'est parce que là, actuellement, c'est à la sauvage. J'ai pas eu le temps de mettre des murs, etc. Y a rien de propre. Tu veux pas que je pose mes murs? Le mec est trop pressé, quoi. Ouais, mes murs sont pas posés, c'est bon. Tu peux faire tourner. Et comme ça, un jour, j'aurai une coupure. Un jour, t'auras une coupure de courant. Et de quoi? Pourquoi? Tu vas te couper pour te refaire? Bah oui, à un moment donné, bah là regarde, t'as des câbles, déjà t'as des câbles qui traversent, j'ai toujours la broyeuse au milieu, j'ai toujours tout au milieu mec. Donc un jour, tout sera sur le mur comme c'est le cas là actuellement, et donc un jour, le courant sautera. Voilà, c'est comme ça. Mais il a pas de quoi s'alimenter. Voilà. Simplement. Voilà. T'as pas creusé un peu de charbon? Non, mais en vrai j'essaierai de faire en sorte que ça coupe pas.
C'est-à-dire que je couperai le... Quand je couperai un câble, je te couperai pas le câble qui alimente toi. En fait, je te tirerai un câble qui permettra toujours t'alimenter pendant que je décable le reste. Parce que je te rappelle que même sans la pompe à eau et même si je coupe les mines de charbon, j'ai toujours un petit peu de temps pour poser 3-4 trucs avant la coupure de courant, avant d'être en rade d'eau et compagnie. Donc c'est bon là, c'est bon, t'as ton courant là. Mais tu la sors d'où? De quoi? T'as tapé du charbon dans les machines là-bas? Mais non, j'ai pas de charbon. Non, non, mais il faut que tu m'alimentes là. On n'est pas alimenté là. Ah non, on n'est pas alimenté. Bah si, normalement on est alimenté puisque je suis connecté à ce poteau là. Mais il n'y a pas de charbon qui sont dans les machines. Bon, on met du charbon à la main. Pourquoi lui il est hors tension? Si pas de charbon dans la machine. Ah d'accord, il reçoit son eau, ok. Si pas de charbon dans la machine, pas d'électricité hein. Bah bien sûr, mais normalement t'es censé avoir un petit peu de charbon, sauf erreur de ma part, dans le coffre principal de la base. Mais c'est loin. Super loin. Ouais, vraiment. Là, je suis en train de regarder, là c'est vrai que je le vois pas, hein. Désolé, je vois pas la base en fait. J'ai du mal à voir l'ascenseur orbital d'ici. C'est compliqué hein. Alors que si je fais ça. Si tu fais ça, tu te régales. Et t'as un peu de courant. Voilà. Le problème c'est que c'est des V1 partout hein. Bien sûr. C'est le problème actuel. C'est la vie. C'est la vie la vraie. Moi, j'espère qu'en tout cas ma petite base vous plaît. Enfin, base parce que. Disons, vous pouvez dire non. Un coéquipier qui déteste l'esthétisme. Vous pouvez, ouais, vous pouvez clairement dire non. On va dire que ça a pris beaucoup trop de temps. Alors ça c'est sûr que ça a pris du temps. Là, ça a pris un temps fou. Regardez ce petit ninja là. Regardez ce petit bouffe ninja là. Même les plantes elles sont pas prêtes. Elles en perdent leur latin, c'est ça? Elles parlent pas latin. C'est des plantes. Oh, regardez, hein, même le détail de la fondation là, jusqu'au point. Vraiment, vraiment on apprécie l'esthétisme. Hop, ici le truc vous l'avez pas vu. On dit que là, hop, ça bon bah le temps que le charbon arrive, que j'ai assez d'électricité pour faire toutes mes conneries. En attendant que j'ai assez de béton pour faire tout le travail. On va colorier tout. Ouais, vous avez qu'à aller jusque là-bas. Hein. Je peux pas toujours tout vous ramener. Fainéant. Ah, on pourrait s'intéresser à un petit. Oh, ouais, ça pourrait nous intéresser. Ouais. Ouais, 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 dites-moi. On pourrait s'y intéresser, je pense, un petit double escalier là. Latéral comme ça de sécurité là. Ah oui, latéral de sécurité, on est là dessus quand même. Ah ouais ouais bah complètement. Ah par contre il veut pas si c'est pas sur un sol en dur. Ah intéressant. Bah du coup on s'y intéresse pas. Ah non, c'est parce que j'ai pas de plaque et pas de béton, super. J'ai pas de matos pour travailler hein. Vraiment je travaille avec ce que je peux hein. Je fais tout ce que je peux hein, vous savez. C'est difficile hein, quand vous avez un coéquipier à charger de production qui veut pas travailler même quand il a du carburant. Je suis le charbon, c'est pas grave. Ah, il est devenu charbon, visiblement. Non, je suis charbon. Hashtag je suis charbon. Je veux plus savoir, je deviens le charbon là. Sur le tapis du bas, carrément. Ah, t'es en train de kiffer hein, ma petite balade. Hein. Ah, voilà. Alors... Il a tenu hein, d'ailleurs, hein, parce que il aime pas l'esthétisme que je suis en train de lui construire là. Par contre, il a tenu à vouloir garder son petit palmier là. Petit palmier pistolo là. Il a voulu le garder ça. Il est où? Mais non, pas celui-là. Il est là. Non, ah, lui. Non, c'était pas celui-là. En tout cas, non, celui-là est très joli. Non, t'as dû tuer. Non, t'as pas tué. T'as pas tué les conquérantes. Non, t'as tué non. Je peux rien tuer. Je peux pas ramasser. T'as ramassé les trois fleurs, les trois feuilles qui étaient ici. Ah, les trois bouts de weed là. Oui. Ah oui, ils sont plus là. Oh, c'était les conquérantes. Celles qui avaient tenu jusqu'au bout. On foutait de ce petit palmier pourri, bon bah tant pis, maintenant tu le laisses. Ah oui, non, les autres, moi il est walidé, hein. Pour moi il reste là, tout jamais. Non, oh, t'as tué les trois petits boudouines. Ça arrive mon pote, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui s'achètent des tasses à café avec la mort des autres. Moral, buvez du café, et vous détruirez le monde. Je dors, mais moral, c'est trop.
trop bien. Et il se tape pas, il se tape quand même pas toujours le scaphandre. Il se tape pas toujours quand même le scaphandre, d'accord, intéressant. D'ailleurs, tu peux peut-être débrancher tes... faire sauter quelques générateurs de biomasse, toi, non? Bah, on n'a pas encore d'électricité, donc non. Bah si. Bah non. Y'a toujours pas de charbon dans les machines. Oui, enfin, t'as déjà un générateur... Ah non, il est retombé, ok, il y a déjà plus rien. Mais t'avais pas dans le... Non, mais c'est bon, je perds mon temps. Non. J'essaye, mais je perds mon temps. Pourquoi, par contre, tu colores toute la base, mais pas les tapis par le... Ouais, pourquoi pas, souci. Ouais, tu veux que je colore tes tapis? Non, 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 pas de souci, hein. On peut garder aussi ça en orange, c'est pas mal aussi. Tout contraste un peu. Le tapis, c'est chiant, on voit pas bien, en fait. Pour l'instant, ouais, les MK4, si, on verra, carrément. Mais bon, de toute façon, ouais, les MK4, si, là... ok, mais ceux-là, on voit pas très bien, du coup, ouais, après, parfois, t'en oublies. Aucun problème, aucun problème. Entre ça, tu vois, ça, donc, ça non, non, mais c'est bien parce que, en plus, de toute façon, regarde, de toute façon, c'est pas gênant, pourquoi? Parce que le thème que t'as choisi, c'est un thème bleu et jaune. Bon, on est un peu sur un orangé pour les autres infrastructures, donc c'était très bien. Y'a pas besoin, tu peux garder les autres en orangé, les rambardes, les machins, très bien, ça ne pose aucun problème. Moi, aucun. Aucun souci. Et ben, on a réussi à faire plus de tickets que ce que je ne pensais, et on va encore sortir un troisième ticket d'ici qu'on ait tout mangé. Voilà. Toi, un jour ou l'autre, tu vas retourner à ton travail, là. À quel travail? Tiens, prends ça. J'en veux pas. On peut le ramener à la base. Attends. Allez, j'arrive. T'occupe pas de mes machines, je m'en suis occupé avant toi, petit. Voilà. Bon, j'ai l'électricité. Très bien. C'est quoi ça? Mais pourquoi vous récupérez des ramassables? Non, et hop là, dans le super broyeur. Je ramasse des ramassables parce qu'on ramasse des ramassables. Non, tu peux pas le virer. Oh, bah attends. Ça va pas. Non, tout ce qui est whip n'a pas de valeur au broyeur. Vraiment? Ouais, vraiment. Moi je veux voir ça. Mais non, mais non, non, je sais comment on récupère. Super. Donc, comment tu le récupères? Comme ça. Ah, super. Alors? Alors? Pas mal. Alors? Pas mal pour un misérable. Et mon béton? Alors? Et mon béton sinon? Tu vas me chercher du béton, oui ou mince? Comment ça, votre béton? Parce que oh, sans béton, je peux pas faire le deuxième circuit, donc on continue à galérer. Et le mec, il garde du béton sur lui, quoi, le salaud. Le mec, il veut m'empêcher de travailler, j'hallucine, quoi. Non mais j'hallucine, pomme. Si t'as d'autres bétons sur toi que tu me les as pas donnés, je te finis à la machette, quoi, en fait. Je veux pas en entendre parler. C'est possible que j'en ai gardé, mais c'est pour moi. Ouais, machette. Parce que j'en ai besoin. Machette. Non, mais j'en ai besoin. Je te machette. Je veux pas savoir non plus. Est-ce qu'on se ferait pas, voilà, vite faire une petite descente comme ça. Non mais est-ce que t'as un peu de plaque métallique là? Parce que sinon il va falloir que je commence à désosser des trucs et ça va m'énerver. Ah attends, ah. Là j'ai plein de séparateurs là-haut. Allez, allez. Ouais, j'ai stocké un peu de matière première. Hein. Ok, très bien. Escalier droit, escalier gauche. Ouais, nous on est plutôt de droite. Hein. C'est très 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 propre ça. En fait, ce qui nous intéresserait. Ah oui, non, en fait, ce qui nous intéresserait. Peut-être finir sur un escalier droit, du coup. Parce que si je finis sur un escalier droit. Je suis pas sûr de ce que je fais là. Moi, ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. On passe trop sûr de ce que tu fais depuis tantôt, mais tant pis, j'accepte. Ah ouais, on est dubitatif, hein. Ouais, je suis obligé d'accepter, moi. Je veux dire, j'ai réussi à récupérer un lutin, je vois pas pourquoi je ferais commencer à... Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Ah! Je suis mort. Après A, c'est B. Oh, ça. Mais ouais. Ah bah ouais, t'es mort, ça arrive. Non, ça, je suis pas mort. C'est dommage. Vous jouez depuis 2 heures déjà? Voilà. Oh la vache. Le jeu qui... Non mais le jeu qui est même prévoyant par rapport au nombre d'heures que tu joues, non mais vraiment le jeu. Moi j'adore ça, hein. Franchement. Ce jeu me fait trop rire. En sachant que le jeu, moi chez moi, il reste ouvert plus de 10 heures par jour. Parce que même quand je vais manger, genre je le laisse tourner en fait. Bah ça fait des ressources, hein. Exactement, il a tout compris. Oh là là, il est pas si con que ça. Ce que j'ai essayé alors, de dire à mon pote. Sur ces escaliers, c'est un peu dommage. Hein. Quoi? Les escaliers là, c'est un peu dommage. Je suis un peu choqué. Finalement, c'est un peu de la merde. C'est même carrément de la merde. J'ai envie de venir jeter un coup d'œil dessus, t'apercevras toi-même que c'est de la bonne chose.
Ah bon? Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Ok. Oh. Je vais revenir dire que ouais, je vais essayer de la mettre. Trop bien, super. C'est vraiment dur. Donc quoi, tous les petits trucs muraux là pourris? Non non, les escaliers, qu'ils ont fait, ils sont claqués. Ah oui, les escaliers. Hein. Les escaliers sont claqués, ah bon, ouais. Ah moi j'ai testé, je crois ça marrant. T'as l'occasion, tu viens voir là où je suis, tu verras, c'est tout claqué. Mais vraiment. Bah vraiment, j'ai testé, je trouvais ça marrant. Okay. Ah oui, non mais sur le coup, t'as l'impression, vous jouez depuis 2 heures, excellent. T'as l'impression, mais quand tu viens voir là, une fois que moi je les ai posés, c'est contrariant quoi. Ah oui, c'est contrariant quand même. C'est de la merde. Voilà. C'est de la bonne grosse merde. Je te laisse pour guise de preuve. Mais je pense que si je dis que je suis sur mon pire investissement, je suis réaliste quoi. Ah vous, ouais, quand même. Ouais, ouais, non, mais carrément. C'est vraiment de la merde. C'est genre pas déconnant. Et j'ai plus de béton. J'ai plus de plaque. Quoi que j'ai plus quoi? Plus de plaque. Quoi, quoi, quoi? Plus de plaque, plus de tige, plus rien. C'est une catastrophe. La catastrophe. On est tout, monsieur, dans vos productions là. Okay. Je vais encore devoir démonter des trucs, hein. C'est parti. Trop bien. Bah, du coup, je démonte l'ascenseur, hein. Putain, non. Ah ouais! J'ai besoin de ressources, hein. On part là-dessus, du coup. Oui, carrément, hein. On part sur j'ai besoin de ressources, mec, hein. J'ai rien là, y'en a, ils viennent, ils chialent, ils ont l'électricité. Moi, du coup, j'ai plus rien, quoi, super, hein. Apparemment, je crois qu'on avait besoin de courant, y avait du monde pour m'amener des ressources. Mais sinon, vous avez encore combien de tickets sur vous? Mais pas assez, non mais non mais là on combien a, combien on combien combien claquer des tickets du... Bah zéro déjà. Bah zéro. Dites-moi, dites-moi. Zéro. J'en ai zéro sur moi. Bah ouvrez le super broyeur, il y en a combien? Ah non, super broyeur j'en sais rien, mais je suis très loin du super broyeur, hein. Je sais pas combien il y en a. Parce que je veux dire, vous prenez le super broyeur, un ticket c'est sans plaque quand même. Non mais super, je vais pas claquer un ticket que t'as vu tout ce qu'il faut broyer maintenant dedans pour avoir un ticket. Juste pour putain, juste pour ça quoi, t'es sérieux, juste pour sans plaque nulle quoi. Il ah bah, est vraiment écoutez, sérieux quoi, il y croit à son truc quoi, c'est vraiment que je vais faire ça quoi. Si vous êtes en galère de quelque chose, autant le faire non. Mais il sert à rien ce mec. C'est déco en fait, juste déco quoi. Je pense que c'est important. Double porte. Vous voulez vous, tu veux que je déco? Ah non, en fait, parce que là je suis plus que Chico pour l'instant. Enfin, je veux bien, mais. On se calme, mais vous ferez une déco ultérieurement après la pub. Hein. Ok. On fait ça. Bon, allez, je vais aller relancer vos machines là, comme ça vous arrêterez de me casser les pieds. Ah, parce que c'est toujours pas fait en plus. Ah, je cours quoi. Il court en plus. Et bah, il donc. Il marche quoi. Voilà, c'est le fun. Voilà, voilà, voilà. Tout ça, et je suis étonné de pas avoir de mur de verre qui soit pas genre dans ce style jaunâtre. Tout ça je le dis, ça va dégager. Hein. Oh mais les brûleurs de biomasse là, c'est trop mignon, c'est bien mignon mais. Ah bah ça dégage hein. Oh, ouais ça va dégager. Ça dégage et les ressources elles vont dans le brûleur. Mais t'hésites pas à me ramener du béton, des plaques et des vis. Hein. Et à la tonne hein. Et à la tonne. C'est quoi que tu veux? Des vis, pas des vis putain, des tiges, des plaques et du béton. Alors, à volonté. Les plaques de à foison. Les plaques de fer. Unlimited power. Les plaques de fer, ça reste un problème toujours. C'est pas possible que ça reste un problème. T'as comment ça se fait que c'est un problème? T'as du courant. Je veux ce que j'exige. Ça va. D'ailleurs, quand est-ce qu'ils nous rajoutent le courant électrique dans ce jeu? Enfin, la lumière, hein, parce que. Moi, si là je fais une usine fermée, c'est fini, on voit plus jamais rien. Un pouillé sur B. Un pouillé, putain. Vous avez de la lumière. Ils l'ont mis. Ah,
c'est fini. Vous n'avez pas l'air convaincu parce que je viens de vous voir. Allez, allez, je récupère de la tige, allez, je récupère du MK2. La broyeuse, le magasin, tout dégage, je veux plus rien voir. Allez, hop, ça vient. De toute façon, le magasin produit ailleurs. Enfin, un super broyeur produit ailleurs. Produit ailleurs, oui, produit ailleurs. Prenez ça comme vous voulez. Je le prends très mal. Ouais. Alimentation électrique, générateur. Oh, vous êtes le générateur. Où êtes-vous? Bah, à l'usine. Mon bon messire. À l'usine. Parfait. Ok. Et eh ben, on pose. C'est juste. Je vais poursuivre. Juste on pose quoi. Pourquoi je peux pas poser? Je dis on pose. Tenez. Ça, 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 et ça. Pourquoi ils sont divisés en 75 mes flags? Tiens, viens voir. Quoi? Tu vois, regarde, c'est de la merde. Là, non, ça, ça, ça. La merde. Déjà, t'as une marche pour accéder. Y a pas de barrière sur les côtés. T'es obligé de rajouter un sol en dessous. C'est de la merde. C'est de la méga merde. Voilà. En fait, ça t'en... ce qui est bien, c'est qu'au moins, si t'as une... C'est de la méga merde. De toute façon, je vais mettre... En fait... Non, mais en fait, la rampe... là, ce truc-là... ok, d'accord. D'accord, mais alors, on peut pas aller derrière. Ah bah, on peut pas aller par là. On peut pas aller comme ça. Oui, non mais c'est pas grave, je vais mettre une rampasse de chaque côté. Ou peu importe, tu vois, je vais faire un truc. Mais pas cette, au secours, pas cette merde quoi. Ça c'est vous qui l'appelez comme ça. C'est vous qui décidez de l'appeler merde. Alors, attendez, faut se respecter un peu dans la vie quoi. Ah, c'est parce qu'il y a un truc là, c'est ça. Il y a pas de truc. Des fois il m'emmerde. Je sais pas, je serais bête la vitesse. Vas-y, mets-toi en dessous. Si je veux m'énerver dans 3, 2, 1. Putain, j'ai failli m'énerver. Hein. Ah, il y a une plaque vide là. Je suis en train de m'énerver. Tac. Alors, est-ce que j'allais pas faire ça à la maison hein? On le recule l'autre en train de dire. Hein. Ah oui ça. Casse-toi. Dégage. Dégage. Non. Dégage. Dégage. Là, dégage. Ici. Ici est-ce qu'on a un peu d'espace pour se déboîtasse dans une descente de rambarde là. Dégage. Et dégage. Et toi aussi dégage. Ouais, on peut se faire un descente. Descendre de ce côté-là, va falloir prévoir autre chose. On verra si on fera pas un accès plutôt ailleurs en fait. Donc, ah, j'ai sur l'impression que je viens de nous sauver la vie. Hein. De quoi? Ouais, je viens de nous sauver la vie. Hein. Ah, bon. Ah bah. Tu mets tous les super trucs là, enfin tous les broyeurs de virus. Okay. Enfin, je veux dire, ça fait pas plaisir d'avoir retiré tous les broyeurs de biomasse. Alors en fait du coup c'est moi qui vous ai sauvé la vie. Oui ok. Oh, je te jure que non. Je sais pas, voilà. J'alimente. T'as besoin d'être alimenté dans ce jeu. Ok. Donc 1, 2, 3, hop, le quatrième générateur. Ah, c'est marrant ça quand même. Ok. Ça a un peu de gueule. 4 hein. Générateurs alignés, ça a quand même un peu de gueule, on va pas se mentir. Ouais, faudrait que je calcule mes murs pareil. Est-ce que j'ai envie de calculer mes murs? Réponse. Évidemment. Tac, 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 tac. Ah, le truc, c'est est-ce que tu vas quand même le faire? Réponse oui. Ah, si, 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 si,
Donc moi ce qui m'amène à une problématique, oui, c'est qu'il faut encore que je divise mon charbon, c'est ça. Mais le problème c'est qu'étant donné qu'on n'a pas encore de tapis MK3, je peux pas me permettre de diviser intégralement mon charbon. Sinon on avance, on n'amènera pas le charbon assez vite, à moins que la théorie qui dit que tu brûles ton charbon en fonction de ta production, parce qu'à première vue, ta production détermine la vitesse à laquelle brûle ton charbon, en sachant que ton charbon brûle à une vitesse maximum de, minimale de 4 secondes, je sais pas, ou en moyenne 4 secondes. Allez, du coup, je vois, j'ai pas la réelle info, est-ce que c'est une info de TV, je sais pas. Là, quand je vois la vitesse à laquelle en avant, je me dis c'est gérable, je dois peut-être pouvoir la diviser tout de suite en deux. Ah, vous vous démerdez, monsieur. Oui, non, mais je compte bien ne pas compter sur toi. On ne voit rien ici, c'est fou hein, la nuit. Mais oui, mais parce, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Ils n'ont pas créé d'éclairage, ces crétins. Oh, les gros abrutis. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure de la vidéo. De la fin de la vidéo? Je pense pas. Non, non, on n'y est toujours pas. Non, non, toujours pas. 38 minutes, on est large. Ah, ça dépend, parce que bon, on est large, il y a un moment où l'enfant a faim. Hein. Problème des enfants, ça. Oui, oui. C'est ça que j'essaye de généralement viser à leur liquidation. Et là, ça tient. Non, ça tient pas. Vite, vite avant les problèmes. Vite, 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 quelque part. Vite, 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 là-bas, là-bas, en poteau. En poteau, genre là. Excellent. Bon, ça n'a pas failli être la catastrophe, tout va bien. Tout s'est très bien passé. Ici, je partirais bien sur... ouais, je vais être là-haut. Finalement, on est là. Je pense que ça va être ça, quoi. Que ce soit extrêmement parfait. Et également que ça soit efficace, surtout. Alors, on met un peu d'esthétisme, mais on n'est pas avant tout pour l'esthétisme, on est là pour la destruction. Le drainage de ces ressources en intégrale. J'ai plus de fil. Est-ce qu'on pourra avoir du fil de cuivre par ici, s'il vous plaît? Sinon, on coupe le courant. Ouais. Courant dans 3, 2, 1. Et où? Bonne année. Et où? Le mec trop rapide. Bah, je suis toujours au même endroit. Je suis, bon. Je suis là. Là, ici, viens. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, tiens. Là. Super. Excellent, excellent, excellent. Pour les plaques de fer, faut, comme d'habitude, faut les réclamer ou... Faut réclamer, ouais. Ok, pour l'instant c'est bon. Pour l'instant c'est bon, je réclame pas. Vous en sortez plutôt bien, monsieur. Ouais, non, on va retourner sur la couronne. On était bien là-haut. Ah, une petite tour de chantier quand même, hein, ça me manque un peu. Peut-être que je vais remettre ça un jour. Par contre, on se refasse ça, ça sera sympa, vous verrez. Hein. Petite tour de chantier, c'est toujours un petit bonheur. Bon, je vous le dis, monsieur, 10 minutes, fin de vidéo. Ah, carrément. Ouais, je passe. Oh, le mec, il a faim, il veut manger. C'est ça. Pas de soucis. On essaiera de faire avec. Ah, écoutez, alors, je suis bien, du coup, YouTube là... n'est pas content. Ouais, c'est pas grave. YouTube se démerdera avec ce qu'on lui donnera. Exactement. On donnera avec tout ça. Il va faire tourner travailler. Ah, je vais mourir là, c'est ça. Mourir par une de ces sales bêtes encore. Ok, donc là on part sur un petit drame dans quelques secondes. Ah bon? Encore? Ouais, c'est parti. Encore? Encore un drame? Non. Arrêt des machines. Non, mais non, 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 non. Si, si, arrêt des machines. Un gros drame ça quand même. Les machines redémarrent. Non? Quoi? Quoi? J'ai un câble qui est pas lié? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le drame continue, c'est ça? Attends, attends, pourquoi les machines ne redémarrent pas là? En fait, ah, c'est parce que. Attends, il leur faut un temps pour redémarrer, non? C'est pour ça? Non, pas d'énergie, pas d'énergie. Elles ont du charbon? Non, mais attends, non, non, j'ai débranché les pompes à eau du réseau général. D'accord? Ouais.
Sauf que elles sont reliées au réseau général. Ces conneries. Je suis sûr que si je viens, j'arrange votre bug. Je dois pas venir vous offenser. Je peux rien faire de toute façon ici. Alors. Alors, quel est ton problème? Le problème c'est qu'on a un câble qui court le long du mur, sur lequel normalement tous les pots sont branchés. Je vérifie quand même mon information. Entre un pot qui n'est pas branché quelque part. Ok, donc c'est bien ce que je disais, tous les pots sont branchés. Voilà. Et c'est lesquels qui n'ont pas de courant? Et la pompe à eau me dit qu'elle est hors tension. Enfin qu'elle n'a pas d'énergie. C'est pas simplement parce qu'elle a plus besoin de produire d'eau. Non, elle me dit qu'elle n'a pas d'énergie. C'est pas genre elle est hors tension, c'est pas genre elle est à l'arrêt. Elle me dit qu'elle n'a pas d'énergie, c'est-à-dire comme si elle n'était pas raccordée au courant. Or, si je fais ça et que je veux brancher genre là-bas, là j'ai du courant. C'est dingue. Ah voilà. Non, mais c'est pas normal en fait. Vous avez résolu votre problème. Arrêtez non, 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 j'ai rien résolu. C'est pourquoi ça marche comme ça et pas dans les autres sens. Okay. Parce que tu sais que ce poteau là, il va gicler, hein. Il va pas rester. Hein. Si je fais sauter ce câble. C'est ce câble qui porte l'énergie là. Mais c'est bizarre. Alors ça, c'est vraiment chelou. Pour l'instant on va brancher ça comme ça, on va faire que ça tout, enfin, que ça fonctionne. Bien que moi ça me ferait la blague, c'est tout coup. Mais j'aimerais savoir pourquoi ce dispositif là ne fonctionne pas. Tout ça avec la tasse à café en invention. Toujours. Parce qu'en plus là, pour le coup, je l'ai bien branché sur le là. Donc ces deux plots-là sont connectés ensemble. Très étrange. De votre faute quoi. Vous dites. Il y avait un câble qui était pas mis. Ok, maintenant on va vérifier l'info. Oh, j'ai pas de courant moi ici maintenant. De quoi? J'ai pas de courant à un endroit, c'est bizarre. Ça y est, là ça fonctionne. Okay. Eh bien nous ici monsieur, ça fonctionne. Tant mieux. Je pense que tu es très content. Le savoir. Bien sûr. Bonjour. Puisque c'est le bon charbon que dont tu as besoin. C'est exactement ça. Effectivement, très du coup, très satisfait de le savoir. En effet. Attendez, parce que
part sur une division ici. Ouais. Ah oui, il y a pas choix. Bah attendez. Ah bah c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alimentation. Ah mais c'est ennuyant. Ah mais tout ceci est bien ennuyant. Ah ah. On ira après le goût. On va faire le espèce de petit kraken que tu veux qu'on fasse en temps normal. Mais c'est pas... C'est pas très beau ça. C'est pas... Ouais si, bah si on peut faire ça. Ok, je vais positionner un peu loin pour qu'on puisse positionner la compa le plus proche possible. Ok, notre séparateur. Waouh, ça veut dire qu'on peut se prendre le tapis dans la face, hein ? Question, ça. Ça, ça veut dire que ça part sur encore un petit pylône de convoyeur, évidemment. J'adore. Alors, je tiens à préciser que c'est Farenab qui m'a demandé autant de pylônes de convoyeur, hein, vraiment. Il a insisté très lourdement. C'était très long. Je voulais lui faire plaisir. C'était sa première en pylône. J'ai senti la nécessité. Voilà, et de nouveau ça me casse les couilles parce que ici ça en sort. Super, hein, niveau de langage en logique. Hein. J'en parle bien, ça. Ça fait plaisir vraiment, on sent que. C'était de l'impur. C'était de l'impur. Hein. Je savais pas que les Belges étaient tous des paysans. Super. C'est ça ta façon de parler, gamin? Je n'entends pas les gens de votre espèce, monsieur. La médisance. Et parlez le sauvageon si vous voulez que je vous. Le sauvageon, carrément. Et on est sûr. On est sur le type bestial, quoi, direct. Est-ce qu'on s'offrirait pas un petit pilote de convoyeur, mais en décalé? Genre, juste. Non, mais non, ça va arrêter de nous casser les pieds, ça. En mid, comme ça on fait un petit chassé croisé un petit peu exotique, voilà, sur lesquels les gens sont pas forcément prêts, et nous on vient là. Ah ça se la touche un peu, ah ça se la touche un peu, on va pas se mentir, ça se la touche un peu, je suis pas trop fan. Allez voilà, maintenant il y a de nouveau des plaques. Alors on va essayer avec un double pilote de convoyeur, voir là si ça veut bien, mais ça veut dire que la torsion, voilà, la torsion est maximale, maximale et désagréable. Donc on va légèrement opter pour un décalage de pylône ici. Et on va vérifier. Je sais ce qu'il vous faut là monsieur. C'est un peu vulgaire d'en remettre un autre ici, non? Ouais, parce qu'on casse encore. Ah, Seven est avec Emmerich maintenant. Quand même pas très propre. On part sur un... Légèrement. Ah, c'est léger. C'est léger, mais est-ce que c'est acceptable? De quoi? C'est pas parfait. Voilà, c'est pas... Alors, on passe pas en dessous, hein.
Ouais, c'est pas... Non, c'est bon, c'est très bien. Non, je peux comprendre, je peux comprendre qu'on soit pas très content. Non, c'est vulgaire. Hein. C'est quand même... Mais après... en fait, dans tous les cas, placé comme il est, le séparateur, j'ai pas le choix en fait. Je peux pas faire droit. Placé comme il est, y a, ou alors... Y a pas moyen de faire ça? Y a pas moyen de faire ça, par hasard? Non, pas ça. Y a pas moyen de mettre un là, comme ça? Mais ça, ça... Arrêtez de tourner dans tous les sens. Ouais, vous avez compris, hein, là, à la place. Non, parce qu'en fait, sinon je suis pas... Trop incliné. Ouais. Je suis trop incliné. Mais de toute façon, tout ça, ça va dégager pour l'instant. Bon, est-ce que vous pouvez venir là où je suis? Je suis en train d'y penser, ça me gêne pour installer l'eau. Ça dégage tout ça, ouais. Vous voyez, là, je vais ping un truc là. Là en face, là. Bah, vous voyez, oui, un petit truc qui dépasse là. Oui, tout à fait. Bah, c'est une usine à plaques comme ça. À plaque renforcée? Non, plaque. Plaque renforcée. Oh, vous voulez des plaques renforcées? Tenez. Disons qu'il se pourrait qu'il y ait des éléments futurs qui nous demandent beaucoup de plaques renforcées. Voilà. Ah, oui, bah, d'ailleurs, au passage, avec ces mêmes plaques renforcées que vous m'avez données, je pense, monsieur, que vous devriez vous intéresser à fabriquer 26 cadres en. Oh, je vais rechercher des cadres modulaires afin de terminer la production basique d'acier. Je dois te faire bosser un peu. Ouais. Oh, comme si je bossais pas. Donc, je suis embêté. Voilà, la torsion elle est moche. Il faudrait que je t'emmène là. C'est calant. Je suis bon, ouais, c'est ça. Enfin, sur ça. Quoi. Ça va vraiment me gêner en fait. Parce que là du coup ça veut dire qu'il faut que le niveau de l'eau là soit au-dessus. Aïe 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 aïe, j'aime pas trop ça. Allez, j'ai conçu tout mon système au sol, c'est une faute. C'est une faute. On arrache tout. Dommage. C'était joli hein, mais... Mais je l'avais pas encore attendu, je l'attendais. Ça fait 10 minutes que je me dis, il va le dire. C'est pour commencer. Ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Voilà, il est enfin là. Bah c'est pas professionnel en fait, donc c'est hors de question, ça vire. Donc on va commencer par ce qu'il faut. Même si ça peut paraître rébarbatif ou pas très agréable, il faut commencer par l'eau. L'eau qui ne passera pas sous le convoyeur. Hein. S'il t'accepte. Oh, il accepte. Oh, il est adorable. Ah, je peux vous dire qu'on peut même le faire passer à travers le convoyeur si vraiment vous voulez. On recommence. On va faire des tiges là. Ah oui, on est taquin sur la forme. Voilà, il faut que ça roule, faut que ça soit parfait tout de suite. Alors vous aviez coupé ma production de tiges hein, pour je ne sais quelle raison. Il y a avec les créatures locales, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de. Ah ouais, de pour faire des vis. Voilà, je pense que c'était plus pour des vis à mon office. Ouais, c'est quand même vous qui avez voulu pour avoir des plaques renforcées. Alors, nécessité, puisque je rappelle encore une fois que vous m'avez réclamé, que dis-je, scandé une chanson au nom du charbon. Je crois que ça s'appelait à l'aune du charbon ou un truc comme ça. Parce que vous étiez en PLS littéralement cosmique phénoménal de votre bon char. Qu'est-ce que tu me fais toi? Ok. Tu me fais des rotors, mais il y en a combien de rotors là-dedans? Juste ce qu'il faut. Il y a 300 rotors. Est-ce que je couperais pas 2 secondes cette production de vis pour faire des tiges? Non, pour le moment, on n'a pas besoin de tiges. On aura vraiment pas... Ah, on n'a pas? Non. C'est surprenant ça. Ah, c'est dans une technologie? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Ça va être dans une techno. Qu'est-ce que nous n'avons pas, mon cher monsieur? Un élément pourtant très important qui me permet de superposer mes canalisations entre elles.
Tu sais, le pylône, mais le pylône de canalisation, c'est un autre jalon, hein, c'est ça. C'est un autre jalon. Milestone reached. Steel production. Non, normalement non, vous l'avez. Ah non. Ah non, non, non. Je l'ai pas, c'est dans un autre jalon. Ah bah c'est bien dommage. Pas déjà débloqué ce truc. Ah bah non, parce qu'il faut des... il faudrait des tuyaux en acier. On est sur le level 4. Ah oh, oui, 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 level 4, dernier truc. Sérieux? Ah bah. Oh l'abus quoi. Oh l'abus ah, du truc. Ça c'est un peu exagéré ça monsieur, je crois pas qu'on puisse. Ça, tu le débloques après l'hypertube quoi. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est abusif quoi. Après le câblage automatisé et la V2. Non, mais non. Bon, allez, la gare routière là, parce que c'est ridicule. Hein. Là, monsieur, je crois pas que ça va être possible de mon côté. Hein. Ouais, écoutez, oui, je vais me débrouiller avec ça, monsieur. J'ai bien compris qu'effectivement. Je veux bien tout le bonheur. PC Control ait décidé de se payer d'autres ronches. Je veux bien tout le bonheur du monde, mais là. Ah, bah, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Hein. On va se débrouiller. Ah, il faut 4 centimes là tout de suite là maintenant. Ah. On va peut-être devoir changer nos plans du coup. Je peux t'enfiler 200. Non, garde tes tiges. Sûr, hein. Ouais. Si on peut se débarrasser de ça par contre, ça serait formidable. Merci. Ah, je crois que l'enfant a très faim là. Malheureusement, c'est la fin. C'est vous qui voyez, hein, de toute façon, monsieur. Mais je préfère préalablement que je ne sois pas en pleine. Ah c'est pour passer à travers les murs. Oh mais trop bien ça par contre. Ça méga bien. Oh, je trouve que je viens de vous prévenir assez c'est bien là. Oui non non mais très agréable et très aimable de votre personne que vous êtes. Mais je viens de découvrir une chose, une pièce absolument formidable monsieur. Ah bon une pièce. Qui a révolutionné le monde du gaming en France. J'en suis certain. Je pense que là vraiment. Oh non merde pas. Là vraiment il va se passer des choses. Toc tac tac. Ça, voilà. Du coup, on a dit dans logistique. Pas de roue. Il y a des tiges qui se font. Voilà. Donc, avez-vous fini? Incessamment. Alors, ça. Ça c'est beau. Ça. Hein? Quoi? Sauvegarder. Ouais. Il y a des trucs qui marchent super bien. Soit formidable, très bien. Et bien sur ce, nous vous remercions de votre aimable compagnie, mon cher ami. N'oubliez pas de me rappeler des plaques et des trucs et des machins à l'infini, on sait jamais, hein, et surtout du béton. Ah il me reste encore 300 béton, hein. Ça va, on sent que j'ai pas abusé, j'étais sympa. Et puis YouTube, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine pour ce petit épisode d'une heure quand même. Hein. Allez, tchou. C'est ça.